C'est une information qui vient de paraître dans un journal en ligne français, Ouest France. Nous apprenons que le premier ministre du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso aurait été admis à l'hôpital Flair, où il devrait suivre une batterie d'examens médicaux. Cette visite médicale à cette institution sanitaire n'est pas en elle-même condamnable, mais plutôt révoltante. Comment peut-on diriger un pays et se faire soigner à l'étranger? N'est-ce pas un aveu d'échec? Ce n'est que dans les pays africains que nous assistons à cette pièce de théâtre humiliante. Kouliné Makoso avoue enfin que le Congo ne dispose pas d'un système de santé fiable et viable en substance. La visite médicale de Kouliné Makoso en France nous rappelle étrangement celle de Clément Mwamba. La comparaison n'est pas raison. Pourquoi les dirigeants du régime moribond de Brazzaville, qui se targuent de construire des hôpitaux de qualité, ne se soignent-ils pas dans ces établissements? C'est tout simplement honteux et rabaissant pour l'image du Congo, 60 ans après son indépendance.